Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment l'intituler? Hors série? Ça fait peut-être un peu prétentieux, hein. Mais bon, ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, mais qui va être un épisode un petit peu particulier puisque dans cet épisode, je vais vous parler exclusivement de ma boîte de bas 2021. Je reviens dans un instant sur le concept de boîte de bas, etc. Mais voilà, pour vous dire un petit peu de quoi il en retourne dans cet épisode. C'est pas un épisode de podcast classique. On va faire les choses dans l'ordre, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je me présente. Céline, Madame Bibiche. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Et généralement, je vous retrouve avec... un petit podcast donc sur le tricot où je vous présente ce que je viens de terminer en tricot, ce sur quoi je suis en train de travailler, les projets à venir, mes petites acquisitions de laine, ce genre de choses. Là donc dans cet épisode aujourd'hui exclusivement ma boîte de bas 2021, les amateurs et amatrices de chaussettes vont se régaler je crois. Et oui, et que je n'oublie pas de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, avec le pseudo See You Later Knits. Les infos que je vais donner tout au long de cet épisode, donc de podcast spécial. Bref, en tout cas, les infos se retrouveront dans la barre d'informations qui se trouve sous la vidéo. Il y a un petit triangle inversé, vous cliquez dessus, puis normalement, vous avez... toute la description des choses que je raconte, des trucs dont je vais vous parler là pendant cette heure peut-être plus. Non, pas 7 heures, hein, je vous rassure, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur. Je pense que oui, le temps que je vous montre mes petits modèles de chaussettes, là, il y en a bien pour une bonne heure quand même. Hein. Sachant qu'en plus je suis très bavarde, ça commence, donc voilà. Donc je vous retrouve cette semaine avec cet épisode boîte de bas 2021 qui m'a été pas mal demandé. Vous avez été plusieurs à me laisser des messages pour savoir si j'allais revenir montrer un petit peu donc ma boîte de bas plus en détail. De toute façon c'était quelque chose que j'avais prévu de faire. La semaine prochaine, un épisode classique, 100% classique du pur bibiche, vraiment voilà, avec les choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, enfin les choses que je viens de terminer. Et puis je pense un petit peu plus tard dans le mois, ça aussi vous me l'avez demandé et je trouve que ça peut être vraiment intéressant, un épisode pareil, un petit peu spécial, on continue les hors-série, pour vous reparler de ma boîte de bas 2020. Et du coup, vous représentez alors très rapidement les modèles, mais surtout vous dire un an après, que sont-ils devenus? En gros, comment la laine a vieilli? Est-ce que voilà, j'ai eu des problèmes de trous, de machin? Qu'est-ce que je pense au final de tel type de talon et tout? Donc, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je me suis dit que j'avais pas mal de petites choses à dire. Et donc voilà, je pense que je vous ferai ça là dans le courant du mois de janvier. Voilà. Peut-être quand même aussi, avant toute chose, techniquement cet épisode sera le premier de l'année 2022. Donc je vous souhaite à tous, à toutes, vraiment du fond du cœur, une belle année 2022. Pour tout ce que vous savez, on croise les doigts. Vraiment, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes là en décembre 2021. Que la période n'a pas été trop compliquée à gérer pour toutes les raisons que vous savez. Voilà, ici c'est ça va, on prend les choses un peu comme elles se présentent. Comme tout le monde, hein, de toute façon. Mais voilà, j'espère vraiment que 2022, de l'apaisement, aïe aïe aïe, tout ce que je souhaite, hein, vraiment, 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 que des bonnes nouvelles. Donc en tout cas, moi, je vous souhaite du fond du cœur une excellente année, la meilleure possible, que des bonnes choses. Et puis bah surtout quand même, puisque nous sommes là un petit peu pour ça, cette passion commune, beaucoup de tricot, hein, beaucoup de chaussettes, parce que là...
D'ailleurs, combien de chaussettes cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler, 2021? J'ai fait, donc avant de venir, j'ai regardé, excusez-moi, j'ai un problème de boucle d'oreille, hein. Ça devrait être bon. J'ai fait un petit tour sur mon Ravelry avant de vous retrouver pour voir un petit peu combien j'avais tricoté de modèles cette année, etc. Et donc j'ai comptabilisé 22 modèles tricotés tout au long de 2021, sachant quand même qu'il y en a un, je n'ai qu'une chaussette. Voilà, il faut rétablir la vérité. La deuxième arrivera quand elle arrivera. Mais bon, sur Ravelry, 22 projets. Et en fait, en refaisant le point là un petit peu dans mon carnet dans lequel je prends des notes pour les épisodes de podcast, eh bien non, j'en ai retrouvé d'autres qui n'étaient pas notées dedans. Notamment la paire que j'ai tricotée pour le cal que j'avais animé là sur le mois d'octobre 2021, le cal chaussette in English, peut-être ici ou peut-être là. Je vais essayer de vous mettre un lien car je sais qu'il est possible de le faire. Voilà, j'ai tout au long du mois d'octobre, je vous avais proposé de nous retrouver pour tricoter ensemble une paire de chaussettes et je vous donnais mes petits trucs, mes petites astuces en me basant sur le modèle des Favorite Socks de Christine Lehrer. Et voilà, donc j'ai tricoté en même temps que vous qui avez suivi ce cal une paire de chaussettes qui n'était pas dans mon Ravelry, une petite paire de chaussettes nouveau-nés aussi que j'ai offert au petit de ma chère amie Marion, à qui je fais des gros bisous si elle passe par ici. Donc qui n'était pas comptabilisée non plus. Enfin, j'en ai retrouvé quelques-unes que je n'avais pas mis dedans. Et au final, du final, du final, on arrive à 26 paires de chaussettes, plus une solitaire, tricotées. Et remarquez, j'ai une deuxième solitaire, puisque j'avais fait une chaussette pour la mercerie Regrave pour la mettre en, vous savez, en présentation pour montrer ce que donnait le dégradé d'une laine. Donc finalement, ça fait 27 paires, hein, je suis désolée, mais deux chaussettes, certes, pas les mêmes, mais bon, entre 26 et 27 paires, vous jugerez vous-même, deux chaussettes tricotées sur l'année 2021, ce qui est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais un bon petit résultat. Ça fait quand même quasiment deux paires par mois, donc j'ai bien bossé, je trouve. J'en reviens même pas d'ailleurs en faisant ce calcul, je me dis c'est fou. Parce qu'au final, et c'est là qu'on voit que je suis finalement une personne extrêmement pas du tout égoïste du tricot, contrairement à ce que je peux penser quand je me tricote une magnifique boîte de bas, je n'ai gardé que 12 paires dans ma boîte de bas. Donc ça veut dire que techniquement les autres je les ai offertes ou elles sont pas pour moi. Donc 26 moins 12, j'ai plus travaillé pour les autres que pour moi-même, j'ai l'impression quand même cette année. Bon, je vous montre ce que ça donne. Une boîte de bas. Une boîte de bas, ça donne ça. C'est même magnifique, merveilleux, formidable. C'est trop beau. Mieux qu'une boîte de chocolat, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est absolument génial. Donc, qu'est-ce que c'est que ce principe de la boîte de bas pour ceux qui éventuellement ne seraient pas familiers du concept? Donc, l'idée, me semble-t-il, vient de Marie-Christine Lévesque, dont nous allons bientôt reparler dans cet épisode, qui est une tricoteuse et designeuse de tricot canadienne. Et alors, je ne sais pas du tout depuis combien de temps elle fait ça, mais qui a eu donc probablement l'idée la première de se tricoter sur toute l'année, donc des bas, comme on dit au Canada, des chaussettes, mais de ne pas les porter immédiatement, de les conserver donc dans une boîte et de se les offrir à la fin de l'année comme récompense de son travail. Et alors moi, ce concept m'a vraiment parlé. L'idée étant, je pense, d'essayer de faire une paire de chaussettes par mois. Et donc, à la fin de l'année, vous avez 12 paires à vous offrir. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai fait là pour ma boîte de bas. J'ai 12 paires dedans. Ouais, je trouve ce concept absolument génial, personnellement. Parce que vous avez le plaisir donc de tricoter tout au long de l'année. Vous avez la petite
mini frustration, peut-être, de se dire que vous n'allez pas porter de suite vos chaussettes, mais qu'à la fin de l'année, bah, vous avez un magnifique cadeau. Alors moi, elles étaient en dessous de mon sapin. Je les ai ouvertes en famille quand on a fait Noël là, le 25, et j'avoue que bah, j'ai eu beaucoup de compliments. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça m'a fait un beau cadeau. J'étais vraiment contente de les avoir. Et ça fait commencer l'année avec 12 paires de chaussettes toutes neuves et qui vont être formidables à porter. Moi ici, je porte mes chaussettes tricotées. Alors oui, j'habite dans le nord-est. Hein. On ne peut pas dire que ça soit la région... En tout cas, c'est la région idéale pour porter des chaussettes tricotées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De septembre, ouais, fin septembre, début octobre jusqu'au mois de... Fin avril, je porte mes chaussettes tricotées. Après, un petit peu moins, puisqu'on va commencer à mettre un peu plus des chaussures ouvertes, des sandalettes, des trucs comme ça, mais vraiment, je porte mes chaussettes tricotées bah, quand même un sacré paquet de mois dans l'année. Et dans mes chaussures, dans mes baskets, quand on part en rando, enfin, c'est vraiment les chaussettes que j'ai tous les jours au pied. Donc, c'est rentabilisé. Hein. Donc, voilà l'histoire en gros de la boîte de bas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adoreraient se faire une boîte de bas, mais pour qui le concept de je tricote et je mets de côté pour plus tard, c'est compliqué. Et je comprends, hein, je comprends. J'avoue que déjà, là c'est pour ça que je viens vous retrouver et que je tourne très rapidement cet épisode. Parce que j'ai envie de les porter, mes chaussettes, vraiment. Je trouve que là, la première paire que je vais vous présenter, je l'ai tricotée donc en janvier 2021. Ça fait donc un an. Et ça fait un an qu'elles attendent, donc je peux vous dire que j'ai bien hâte. Ce qui est chouette aussi, alors j'ai pas vraiment fait ça moi parce que... Enfin voilà, je sais qu'il y en a certaines qui carrément emballent leurs chaussettes quand elles ont fini de les tricoter avant de les ranger dans la boîte de bas parce que du coup on oublie un petit peu ce qu'on a tricoté et que quand elles les redécouvrent en fin d'année et ben ça leur fait carrément une vraie surprise pour le coup, elles se souvenaient plus vraiment ce qu'elles avaient tricoté et on redécouvre un petit peu les modèles, les laines, etc. Alors moi j'avais pas fait ça, elles n'étaient pas emballées individuellement, donc à chaque fois que j'ouvrais ma boîte pour rajouter une paire de chaussettes, je me disais oh c'est tellement joli. Je crois qu'on peut noter, mais bon ça je ne m'en suis jamais cachée, hein, une prédominance quand même du rose. Voilà, vous le savez, hein, la bibiche, elle est fan de rose, donc bah oui, il y en a beaucoup dans la boîte de bas, c'est comme ça. Je vais prendre un petit coup de thé, parce que ça y est, ça commence. C'est brûlant, mais c'est très bon. Pour les amateurs de thé, c'est un thé à la menthe... de chez Kousmi qui m'a été offert dans le cadre des Velaineux dans un colis que j'ai reçu, mais alors je ne sais plus par laquelle d'entre vous. Je dois bien avouer que, en tout cas, j'ai reçu plein de thé d'un petit peu partout, de tisane, d'infusion. Formidable, je me régale. Donc là, vraiment très très bon. Alors, nous allons commencer par la première, bien entendu, j'ai mes notes parce que, oui, au bout d'un an, hein, on ne se souvient plus très très bien quand même de comment on a tricoté. Alors, est-ce que je vous parle tout de suite du matériel que j'utilise? Parce que je sais que c'est une question qui est assez récurrente. Vous me demandez assez régulièrement sur... Enfin, voilà, avec quoi je tricote. Et la réponse, pour ceux qui n'ont pas suivi le cal de tricot de chaussettes en anglais, je tricote principalement sur des mini circulaires. Voilà. Alors, celles-ci, ce sont les Adi Wundersock. Sock Wunder. Bon, bref, hein, à vous... Voilà. En 2,5, celle-ci, et elle m'avait été offerte il y a... Ben, du coup, presque 2 ans déjà. C'est impossible. Enfin, le temps passe, c'est pas possible. Par ma copine Aurore du Tricoté, qui m'a dit, bah tiens, essaye pour voir. Vraiment, quand je me suis mis aux chaussettes, bah oui, ça devait être en...
début 2020, quoi. Quand je me suis mise aux chaussettes, elle m'a passé cette paire-là pour me dire, écoute, essaye, moi je trouve qu'elles sont très bien. Et fait et dit, parce qu'avant j'étais donc en Magic Loop, je trouvais que ça faisait des petits escaliers quand même sur le côté de mes chaussettes, ce qui n'était pas très très joli. Avec ça, royal. Donc j'ai les Adi Wundersock que j'aime vraiment beaucoup en 2,5. Et sinon, je me suis fait offrir, oui, le petit kit rouge de chez Xiaogu. Donc, c'est des mini circulaires aussi. Vous avez toutes les aiguilles en deux longueurs d'aiguilles, c'est-à-dire des plutôt longues, bravo pour la précision, et des un petit peu moins longues, mais à chaque fois dans la même taille. Ce qui fait que vous pouvez mettre d'un côté de votre câble, bah comme sur les Adi en fait, d'un côté de votre câble une aiguille un petit peu plus longue pour une meilleure prise en main, de l'autre côté une aiguille un petit peu plus courte pour que vraiment les mailles glissent vite et roule ma poule. Ce petit set d'aiguilles là, qu'est-ce que je pourrais vous en dire ? Qui coûte une blinde, il coûte vraiment cher. Que si vous n'avez jamais tricoté sur des mini circulaires, peut-être c'est bien de tester avant en achetant juste un jeu d'aiguilles et de voir ce que ça donne, parce que je sais que chez certaines personnes, tricoter sur des mini circulaires, ça peut engendrer des tensions dans les mains, enfin bon, bref, et ne pas être agréable. Pour moi, c'est le top. Pour d'autres, c'est clairement pas ça. Donc, avant d'investir 100 euros, je crois, dans un mini kit comme ça, testez, demandez si vous avez des copines autour de vous qui en ont, si vous pouvez leur emprunter pour voir ce que ça donne, parce que ça serait quand même dommage de se retrouver avec quelque chose dont vous ne pouvez pas vous servir. Le côté positif, toutes les tailles d'aiguilles de 2 jusqu'à 3,25. Là, j'avoue qu'il y a de quoi faire en matière de chaussettes. Elles sont assez pointues, mais pas trop pointues. Donc, en gros, idéal. Parce que si vous faites un travail style dentelle, style torsade, ça peut être pas mal quand même d'avoir le côté un peu pointu. Et pas trop pointu, puisque si, comme moi, vous vous servez de votre doigt pour pousser sur l'aiguille, vous ne vous retrouvez pas avec le doigt qui saigne. Positif. Encore positif, les trois longueurs de câble, je ne sais pas, est-ce que c'est positif, pas positif. Enfin, en tout cas, vous avez trois câbles de trois longueurs différentes dedans. Je ne sais pas pourquoi j'ai des aiguilles encore accrochées là-dessus, mais il va falloir faire un peu de rangement. Donc, trois câbles différents. Donc, disons que de ce point de vue-là, il y a de quoi voir venir. Maintenant, les côtés négatifs. Le côté négatif, c'est que admirez la finesse du truc. Je ne sais même pas comment le prendre pour vous montrer. C'est franchement minuscule. Les petits pas de vis, là, c'est absolument minuscule. Du coup, ça donne une impression quand même de fragilité. Je n'ai pas eu de problème pour l'instant, mais je ne m'en sers que pour tricoter avec les 2,25. Je suis même pas sûre que je m'en sois servie pour les 2,75. Enfin, disons que pour les petites tailles d'aiguilles, ok, why not. Personnellement, j'avais essayé de faire un modèle avec une laine donc plus épaisse. Certainement du coup avec les 3,25, et personnellement j'avais trouvé ça horrible. J'avais utilisé une DK sur, donc avec les 3,25 sur un petit câble, ça m'avait fait mal aux mains, je trouvais que c'était hyper désagréable. En revanche, vous avez le pendant de ce petit kit rouge qui est le petit kit bleu. Alors je sais pas au combien il commence, peut-être bien au 3,5 du coup, si là ça se termine au 3,25, avec un câble qui, bien qu'il soit de couleur bleue, peut s'adapter avec le kit Xiaogu de grandes aiguilles interchangeables. Car oui,
ces petits câbles-là, vous ne pouvez pas les utiliser avec d'autres aiguilles. Enfin, en tout cas, il faut être très vigilant. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec n'importe quelles aiguilles chez Ogou. Il faut vraiment des toutes petites avec un tout petit pas de vis. Alors, je sais qu'il existe des adaptateurs, des machins. J'avais essayé. Bon, ça fait des jonctions en plus. Ça fait de la laine qui raccroche un petit peu. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Bref. Je ne saurais pas vous le conseiller. Je ne pourrais pas vous dire à 100% foncez, c'est absolument génial, je suis contente de l'avoir, mais à 100€, c'est peut-être bien de tester avant. Je m'en sers, mais là par exemple, bah, vous voyez, typiquement j'ai des grosses aiguilles là-dessus. Ah bah non, c'est pas des grosses aiguilles, c'est des 2,25. Bon, elles ont l'air grosses, ce qui est bizarre. Mais ouais, 2,25, 2,5, d'accord, mais alors les 3,25 sur un petit câble tout fin comme ça, c'est vraiment pas agréable. Vous pouvez les utiliser qu'avec ces aiguilles-là, vous pouvez pas les utiliser... Bref, je suis pas... c'est pas 100% convaincant. Mais je m'en sers. Je m'en suis servi tout au long de l'année pour tricoter plusieurs trucs avec, donc voilà. Désolée pour ce commentaire qui ne va donc pas du tout vous renseigner sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Le bleu serait bien utile, alors notamment pour tricoter les manches. Ça doit être du 3,5 peut-être jusqu'au 5 ou 6, le kit bleu. Et du coup, pour tricoter les manches des pulls, royal, formidable. Mais pour certains pulls tricotés en 3,25, non, en 3,5, j'ai des petites aiguilles 3,5, mais qui du coup ne peuvent pas aller sur ces câbles-là. Il faut que j'ai d'autres câbles à côté. Bref. Et pour terminer, sur les aiguilles que j'utilise, j'ai également ça à ma disposition. Hop là, les Adi Crazy Trio. Donc, ces espèces de... Alors, c'est pas ces espèces, hein, ce sont des aiguilles double pointe. Pareil, avec un côté légèrement plus pointu et un côté un petit peu plus arrondi, flexible au milieu et dont vous pouvez vous servir, bah, voilà, exactement comme de double pointe classique, sauf que les doubles pointes, il y en aurait plutôt 5 normalement, ou 4 au moins, quoi. Vous avez vos mailles réparties sur 3 ou 4 aiguilles et vous en avez une quatrième ou une cinquième qui vous sert vraiment à tricoter. Donc là, le fait que ça soit flexible vous permet d'en avoir que 3. Alors ça, je m'en sers exclusivement pour les orteils et éventuellement le talon en aller-retour. Ouais, même très souvent pour le talon en aller-retour, ça, je trouve que c'est plus facile que d'avoir toutes mes mailles qui restent sur la mini circulaire. C'est vraiment pour des questions de praticité parce que c'est faisable. Vous pouvez faire avec vos mini circulaires. Alors les orteils, vous pouvez aussi, mais avec une sorte d'espèce de mini magic loop, j'imagine. Parce que quand vous avez plus que une dizaine de mailles sur vos mini circulaires, enfin 12 mailles, je vois pas comment vous faites pour les avoir encore en rond, vraiment en tirant à fond, mais bon, c'est peut-être pas une très bonne idée de tirer à fond sur la laine. Donc peut-être plutôt en magic loop. Sur une petite circonférence, je suis pas sûre que ça soit très pratique. Pour moi. Est-ce que j'ai déjà tricoté donc des chaussettes avec juste ces aiguilles-là? J'aime pas du tout. Je trouve que ça me laisse moi aussi encore une grosse démarcation sur le côté des aiguilles. Donc je les utilise vraiment pour tous les moments où en aller-retour, pas de problème. Et oui, pour les orteils, puisqu'à un moment j'en ai plus assez pour être sur les mini circulaires, mais c'est tout. Tricoter la chaussette exclusivement avec ça, c'est niette. Pour moi, je connais des gens qui adorent et qui n'utilisent que ça. C'est assez cher aussi, hein, de tête, ça doit être entre 15 et 20 euros, hein, il me semble. Donc, pareil, avant d'investir, peut-être essayez, si quelqu'un peut vous en prêter, ça peut être pas mal. Allez, rentrons dans le vif du sujet, parce que sinon, j'ai annoncé une heure, mais ça va être... Ça va être vraiment beaucoup plus que ça. La première paire donc que j'ai tricotée en janvier 2021, ce sont ces chaussettes. Alors j'ai pas pris les bloqueurs
flûte flûte. J'espère que ça ira. Mais voilà. Ce sont ces chaussettes. Les Canerva Socks. De Rachel Coupey. Qui est la teinturière derrière la marque Koupnitz. Et donc elles sont réalisées ces chaussettes en soquier de chez Koupnitz. Donc c'est une 75 Superwash, Fine Superwash Merino et 25 nylon. Vous avez 212 mètres pour 50 grammes. Et ce coloris, c'est le coloris 128, l'épidolite, qui doit être donc une pierre, puisque tous ces noms de coloris sont, enfin tous ces noms, en tout cas tous ceux que j'ai déjà tricotés, sont des noms de pierres précieuses ou semi-précieuses. Alors, le patron des Canerva est, pour moi, issu de ce livre, le 52 Weeks of Socks, que ma copine Julie m'avait offert avec beaucoup d'amour. Peut-être pour mon anniversaire il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Écoute Julie, je ne sais plus pour quelle occasion tu m'as... Ou peut-être juste pour me gâter, car il arrive aussi que ma copine Julie me fasse des cadeaux juste pour me gâter. Oui, oui, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Donc c'est ce modèle. C'est un livre dont j'imagine dont vous avez entendu parler et reparler. Je vous signale à toute fin utile qu'il est désormais sorti dans un autre format que celui-ci. Il est dans une, avec une couverture souple, etc. Et du coup, à un prix beaucoup plus attractif, on va dire, que celui-ci. Même si je vous rappelle que c'est un cadeau. Moi, c'est un livre que je trouve, un objet que je trouve absolument magnifique. Il est... Vraiment, c'est un ouvrage que je consulte assez régulièrement parce qu'il est très beau. Mais c'est un ouvrage avec lequel j'ai quand même... du mal à tricoter des modèles. J'en ai déjà tricoté plusieurs, mais j'ai aussi fait des essais, commencé plusieurs modèles de ce livre que j'ai abandonné en cours de route parce que ça ne collait pas. En fait, je vous explique. Moi, quand je tricote des chaussettes, j'avoue que je ne fais pas forcément d'échantillons. Bout, c'est mal. Pour un pull, clairement, je ne fais plus l'impasse sur un échantillon. Pour une paire de chaussettes, ça m'embête un petit peu de prendre le temps de faire l'échantillon. Donc forcément, arrive ce qui arrive, eh bien, quand on... Alors, je sais quelle taille je fais, à force d'en tricoter, je sais à peu près quelle taille j'ai besoin de tricoter, quelle taille d'aiguille, etc. Mais dans ce livre, je ne sais pas pourquoi, vous avez typiquement ce modèle, il est proposé en 70 ou en 77 mailles. Sachant que pour mon mari, je fais des chaussettes en 72 mailles. Donc quand je vois 77 mailles, je me dis mais ça va être très grand, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en réalité, maintenant je me doute que c'est parce que la soquier est une laine qui est... C'est plutôt une light fingering qu'une fingering. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de mailles au départ. Mais c'est vrai que c'est pas le seul modèle. Il y a plusieurs modèles qui sont proposés dans des tailles un peu étranges par rapport à ce que j'ai l'habitude de tricoter. Et du coup, je me suis pas toujours retrouvée. Enfin, j'arrivais pas vraiment à me retrouver ou de trouver d'équivalent. C'est pas que des modèles proposés dans des laines mérino nylon 100 grammes 400 mètres comme on a peut-être assez l'habitude d'en voir. Donc voilà, méfiance, si vous faites un modèle de ce livre, ça peut-être valoir le coup de faire un échantillon, même si, parce que moi je me suis retrouvée avec plusieurs modèles commencés, mais dans lesquels je ne passais pas mon pied, voilà. Alors, que vous dire donc sur ce modèle proposé en 70 ou en 77 mailles, que j'ai tricoté la taille 70 mailles, parce que oui, 77 me semblait vraiment très très long. Donc, je vous ai dit en soquier. C'est un modèle, donc si je me souviens bien, qui commence par les côtes. Avec des côtes vraiment très longues. Et ensuite, tout un jeu de torsade. Et je crois bien que finalement... C'est un petit peu mes chaussettes préférées, quoi, les chaussettes à torsade. J'en ai plusieurs là.
En tout cas, clairement, plus que les chaussettes en dentelle. Alors, j'aime beaucoup la dentelle, mais il faut que ça soit une dentelle assez fine. Quand il y a des gros trous dans la chaussette, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Donc voilà, tout un jeu de torsades sur la tige. Ensuite, ben, un talon renforcé à gousset, les diminutions. Ensuite, vous continuez ici vos torsades jusqu'à un endroit donné. Et ensuite, vous continuez avec des espèces de côtes. Oui. Voilà. Des espèces de côtes avant d'attaquer vos diminutions d'orteils. Et du coup, les côtes continuent dans les diminutions. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que j'avais noté à l'époque? Je pense que j'ai pas eu de problème particulier avec ce modèle. Donc, ce qui est chouette, c'est déjà bien pour le livre 52 Weeks of Socks, puisque je vous dis, genre, pour certains autres, j'ai eu bien du problème. Je trouve que, franchement, au rendu, elles sont super belles. La laine, elle rend plutôt pas mal non plus. Je sais pas si ça se verra à la caméra, comme c'est assez lumineux. J'ai peur que vous n'ayez pas tout à fait les bonnes couleurs, les bonnes variations, etc. Mais elle a plein de petits reflets très intéressants, cette laine. Elle n'est pas vraiment juste unie. Vous trouvez de légères teintes un peu grisées, un peu jaunes aussi. Donc ça rend plutôt pas mal. Et la Socquier, c'est une laine qui n'est pas très chère pour une laine de teinturière. C'est un renseignement un peu nul, car je n'ai pas en exactement le prix, mais voilà, c'est des échevaux de 50 grammes, donc j'en avais acheté deux pour pouvoir faire cette paire qui a quand même une tige assez longue. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur ce modèle. Ensuite, donc nous étions arrivés au mois de février et les chaussettes de février. Ce sont celles-ci. Alors, elles ont été commencées en février. Et puis, eh ben, tenez, hop, ça tombe bien, c'est sur celle-là. Je les avais donc. Enfin, elles sont tricotées en laine de chez Langyarn. La Yavol, la Javol, je ne sais jamais comment on le prononce. Que j'avais à l'époque acheté chez Bastelkiste au Luxembourg. Le coloris. Ça peut être utile. C'est le coloris. C'est le coloris. Pas du tout. C'est le coloris. 248. J'aurais peut-être pu regarder. 248, c'est bien ça. Donc ça, c'était pour le coloris principal. Et en fait, ah ben, je l'ai vu à l'instant, puis je ne le vois plus là maintenant. Alors si c'est sur celle-ci, mais alors vraiment, en fait, arrivé ici, c'est des échevaux de 50 grammes. C'est des échevaux, c'est des petites pelotes de 50 grammes. Arrivé ici, hop! Plus assez de fil. Il faut dire que les points texturés, généralement, ça en mange pas mal, hein. Et donc, il avait fallu que j'attende qu'une de mes copines, coucou Aurélie, passe au Luxembourg, puisque bah, nous, on ne pouvait plus y aller à cause de vous savez quoi, vous savez quand, etc. Donc j'étais coincée, je pouvais plus aller au Luxembourg et j'ai attendu que ma copine Aurélie, elle y aille puisqu'elle est frontalière, elle avait le droit dans le cadre de son travail de s'y déplacer et elle avait été me récupérer une petite pelote de Javol. Donc le modèle c'est le Lundi Texture, Lundi Texture, oui, issu de ce livre. Tricoter ses chaussettes, donc on a aussi beaucoup vu en 2021 et à juste titre, c'est un super ouvrage, donc par Élodie Morand et Émilie Drouin aux éditions Erol. Un livre de technique de tricot de chaussettes, donc vraiment que vous commenciez par le haut, par la pointe, les talons, le raccommodage, toutes les techniques sont notées dedans. Topissime, un livre de référence, on va dire. Et en plus, vous avez 7 patrons qui sont donc destinés aux 7 jours de la semaine. Vous pouvez vous faire un semainier de chaussettes
Et l'idée, c'est que vous pouvez vous faire ce semainier en utilisant seulement 5 échevaux de laine à chaussettes, puisque pour certains modèles, vous récupérez pour les contrastants, les laines d'autres modèles. Donc, je vous ai dit pour la laine principale, la javole, la yavole de Langyarn. Et pour le contrastant, où est-ce qu'on va bien le voir? Est-ce qu'on le voit bien ici? Le contrastant, c'était un petit mini écheveau de Madame Guillotine. Est-ce que ça fait le point au moins? Sa base BFL SOC 75-25. Et c'était ce qu'elle appelle un Mr. Clean. Et alors moi je trouve qu'ils sont absolument géniaux ces petits écheveaux. En fait c'est des écheveaux qu'elle utilise pour épuiser ses bains de teinture. Ce qui fait que c'est des coloris pas du tout reproductibles mais qui généralement sont très intéressants. Avec plein de couleurs, enfin à son image, hein, à notre chère petite Marie-Cécile. Assez foufou, mais bah, écoutez, je trouve que ça rend hyper bien. Donc voilà, mon petit Mr. Clean de chez Madame Guillotine. Que vous dire? Alors là, dans ce livre, les modèles sont présentés en deux tailles, 56-64, et là, on comprend ce que ça veut dire. Je sais que moi je tricote toujours le modèle 64-56, ça va être trop petit pour moi. 64 ou donc juste si c'est 62, si c'est 66, ça peut marcher. Mais voilà, quand on arrive à 77, on se dit, bah dis donc, ça fait une bonne différence quand même. Donc là, j'ai fait la taille 64 mailles et je les ai tricotées en 2,25. Chose que je ne vous avais pas précisé pour les précédentes que j'avais tricotées en 2,5. C'est un modèle qui commence par la pointe et... Je sais que je m'étais un petit peu forcée à choisir un modèle qui commence par la pointe car ce n'est clairement pas ma façon préférée de tricoter les chaussettes. Mais j'avais envie d'être quand même un petit peu au point sur plein de techniques. Et donc voilà, je me suis un peu forcée à faire dans le sens là. Alors c'est pas le problème du montage ou du tricot de la chaussette qui m'embête. C'est le problème du rabat des côtes. Qui généralement est soit trop serré et si c'est la première fois que vous me regardez, personnellement j'ai un coup de pied assez fort et il faut vraiment qu'à ce niveau-là le rabat ou le montage soit assez élastique pour mon coup de pied. Donc c'est ça qui me pose problème puisque soit c'est pas assez élastique, soit c'est pas très joli en forme. Je trouve que là je m'en suis pas trop mal tirée. De ce rabat, c'était quoi comme rabat? Alors pour le caston, donc des orteils, c'était un Turkish caston, hyper facile à faire, vraiment idéal. Et le rabat, c'était donc le rabat à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. Bon, finalement, pas si mal, mais quand même pas super élastique. Donc ça va, ça passe, il n'y a pas de souci, mais... ça reste quand même pas ma technique préférée. Donc qu'est-ce que j'ai noté sur ce petit modèle? Écoutez, c'est tout. J'ai pas grand chose de plus à part les laines. Si que je pense que j'avais dû certainement. Où est-ce qu'elles ont été terminées celles-ci? Désolée, je cherche dans mes. Non, je ne trouve pas. Ah oui, forcément, puisque je les ai terminées drôlement plus tard. Donc, je pense que pas de difficulté particulière pour ce modèle. Franchement, les patrons sont hyper bien expliqués, donc ça, c'est un régal de ce point de vue-là. Et vous n'avez pas de doute possible avec les patrons de ce livre et les patrons d'Elodie de façon générale. J'ai tricoté plusieurs paires de chaussettes... d'Elodie, donc j'ai jamais eu de soucis, d'interrogations, etc. La seule chose, c'est que ce point texturé, j'avais un petit peu de mal quand même à me repérer dedans. Il y a des fois, je pense qu'il fallait vraiment que je me concentre pour lire mon tricot et savoir à quel rang j'en étais si j'étais pas vraiment attentive. On va dire que c'est la seule chose, et sinon le reste, voilà. Je me demande s'il n'y a pas un petit motif un peu sur le
talon renforcé à gousset, mais je me demande s'il n'y a pas un petit motif, un petit peu. Mais dans la laine de, de Marie-Cécile, vu qu'elle est très... elle est fort contrastée, c'est peut-être un peu difficile de voir, mais bon. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur les petites lindies textures. Bon, ça rend quand même vachement bien. Alors, pareil, la javole, elle est quand même très économique. J'ai déjà tricoté plusieurs modèles avec. Bah justement, je vous en parlerai dans le retour sur la boîte de bas 2020. Elle tient bien dans le temps. Le petit Mister Clean de Marie-Cécile, de Madame Guillotine, pareil, elle les vend moins cher que ses coloris classiques. C'est pas une paire de chaussettes qui revient extrêmement cher. Hein, donc, et elles sont quand même du plus bel effet, je trouve. Nous arrivions ensuite au mois de mars et je me disais qu'il fallait que je reprenne un petit coup de thé. Et au mois de mars, magie d'Instagram, je découvrais une designeuse que je ne connaissais pas du tout. En fait, je pense que dans les propositions de... voilà, je suis tombée sur une photo dans les propositions Instagram de compte à suivre, et c'était la photo de ses chaussettes, les Hatching Socks, et donc de The New York Year, Emma, admirez l'anglais, Emma, qui est donc une tricoteuse new-yorkaise et designeuse, et effectivement le modèle était présenté en plus dans un coloris un peu semblable à celui-ci, et j'avais vraiment craqué sur le ce motif de hachure comme ça. Je l'ai trouvé très joli. Donc bravo les recommandations Instagram, hein, ça fonctionne. Donc j'achète le patron, je tricote ses chaussettes et en tricotant ses chaussettes et du coup en les partageant sur Instagram, magie des réseaux sociaux. Du coup, j'ai pu discuter un petit peu avec Emma, et notamment, je vous les avais présentées en podcast, et certaines d'entre vous m'avaient fait comme retour que c'était dommage que ça soit en anglais, parce que pour elle, du coup, c'était pas accessible. Et ça a été un petit peu le déclencheur de mon idée de proposer à Emma de traduire pour elle le patron de ses chaussettes. Puisque je les avais tricotées, je trouvais qu'il n'y avait pas de difficulté particulière, donc je m'étais dit, ça pourrait être une idée, donc fait et dit, voilà, je lui avais proposé de traduire le patron, donc elles sont disponibles en anglais et en français, si ça vous intéresse de les tricoter. Que vous dire sur ce modèle? Donc c'est un modèle pareil, 64 mailles en 2,25, la laine utilisée c'est de la Sweet Georgia, Tough Love Sock, une 80-20, 80 mérino, 20% nylon. Un modèle qui commence, la laine, oui, peut-être que je vous en parle, un modèle qui commence par les côtes et qui se termine par les orteils, ma façon préférée de procéder. La laine, je l'ai utilisée aussi, je l'avais utilisée pour faire les contrastants d'une paire de chaussettes, donc de ma boîte de bas de l'année dernière. C'est une laine qui déteint, mais qui déteint à fond les ballons. C'est-à-dire que là, je continue à laver mes chaussettes à la main et elles continuent à dégorger. Alors que je leur ai fait prendre un bain avec du vinaigre. Pareil pour celle-ci. Je les ai lavées, je leur ai fait prendre un bain avec du vinaigre. Je les ai relavées donc après avec ma lessive à laine classique et elles ont continué à dégorger. Donc... je pense qu'il va falloir que je fasse bien attention. Enfin, clairement, déjà, c'est le lavage à la main obligatoire. Hein. Je pourrais pas les mettre à la lessive avec les autres. Et puis, à porter, des fois, oui, vous enlevez vos chaussettes le soir et vous avez les orteils tout bleus. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc ça, c'est le seul point un petit peu dommage. La laine qui déteint vraiment fortement. Dommage. Sur celle-ci, c'est pas de problème puisqu'elles sont dans un seul coloris. Mais sur celle que j'avais tricotée et où j'ai utilisé la laine en contrastant, le contrastant m'a fait des belles taches partout sur le coloris principal qui en plus était bien plus clair. Donc, on aime, on adore. Pas trop cool, mais bon. Le coloris quand même, c'était le coloris
Riptide, mais je ne sais pas si avec ce que je vous ai dit, ça va vous donner très envie de le découvrir. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes, j'ai trouvé que c'était hyper, hyper facile. J'avais noté que c'était idéal pour des débutants. Alors, bah écoutez, si je l'ai noté, c'est donc que je devais le penser. Donc je pense qu'il y a, de tête, il n'y a pas de difficulté particulière hein, à tricoter ce modèle. Vous faites doucement pour pas trop tirer sur votre fil et que vos chaussettes soient pas, notamment au niveau du gousset, bah, trop serrées. Pas de problème, hein, roule ma poule. Donc voilà, c'était le premier modèle que je tricotais de chez Emma. Et bah, écoutez, pas le dernier puisque bah, j'en ai encore un autre dans la boîte de bas. Et cette année a commencé avec un modèle aussi de The New Yorker, donc voilà. J'ai plus la petite étiquette de la laine, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ressemblent les étiquettes de la Sweet Georgia, mais bon, de toute façon. Alors c'est une laine canadienne ou américaine qui était disponible sur une boutique française, je pense que peut-être bien chez Laine et Tricot, je ne sais plus exactement où je l'avais achetée, mais ben je ne peux pas entièrement vous la conseiller puisque ça déteint beaucoup. Donc ça, c'était les chaussettes du mois de mars. Nous étions ensuite rendus au mois d'avril, et en avril, je crois que je vous avais soumis un petit sondage sur YouTube. Ah, je vois que j'avais même fait un tirage au sort. Bon, alors, qu'est-ce que je vous avais fait gagner? Bon, je m'en rappelle plus. Mais je vous avais demandé de m'aider à choisir quel serait le modèle que je tricoterais au mois d'avril, puisque à cette époque j'avais fait l'acquisition du livre botanique, alors du livre non, puisque moi je l'ai acheté en digital, mais donc du recueil de chaussettes botaniques de Marie-Christine Lévesque. Je vous avais dit que nous allions en reparler. Et franchement, je trouvais qu'absolument tous les modèles étaient magnifiques et je ne savais pas lequel tricoter. Donc j'avais de la laine de chez Licken & Lace, la 80-20 Sock, 80 Superwash Merino, 20% Nylon, coloris Pressed Flowers, et je vous avais demandé de voter pour le modèle que vous vouliez me voir tricoter. Et le modèle qui avait recueilli le plus de votes, c'était les Fleurs des Champs, dans le coloris Pressed Flowers. Finalement, c'était quand même une évidence. Donc, alors, je n'ai pas noté grand-chose pour ce modèle, ce qui est quand même étrange, je ne sais pas trop pourquoi. Et du coup, comment était-il tricoté? Bon, j'imagine qu'il doit être tricoté quand même de la pointe jusqu'en... J'avoue que je ne me souviens plus du tout. Bon, un modèle avec côte sur le dessus, talon à gousset renforcé, vous savez que c'est ce que j'aime, petite torsade sur le dessus du pied et grande torsade après pour faire une forme. Alors là, la forme chou-fleur, on va dire, est voulue. Elle est voulue sur celle-ci, un petit peu lâche. Finalement, sur mon gros mollet... ça fait plus trop le chou-fleur, donc voilà, l'effet escompté n'est peut-être pas tout à fait là, mais voilà, ça fait un petit volant. En fait, vous faites des augmentations. Alors, est-ce que vous faites des augmentations et que du coup c'est tricoté dans le sens là, ou est-ce que vous faites des diminutions après? Je ne sais plus. Merci pour tant d'informations, Céline, c'est formidable, on est content, on en a pour notre argent. Mais en tout cas, je trouve que ce modèle est très très joli, ça fait partie des modèles que j'ai bien hâte de pouvoir porter là dans l'année. Et alors pareil, les modèles de Marie-Christine, si vous n'en avez jamais tricoté, c'est un régal. De tête, il y a 5 tailles. Déjà, vous pouvez, il y a tout un éventail de tailles. Hyper bien expliqué, hyper précis. Un régal. Pas d'interrogation, pas de place au doute, vraiment. Hyper bien. Donc, ouais, c'est dommage que je n'ai pas noté comment elle se tricotait. Mais écoutez, voilà, c'était les petites paires du mois d'avril et je vous remercie encore de m'avoir aidé à prendre une décision.
Sachant que cette année, je vais certainement tricoter d'autres modèles du botanique, puisque comme je vous le disais, hein, c'est pas le seul modèle qui me plaît. Et d'ailleurs, j'ai enchaîné tout de suite après celle-ci, avec un autre modèle du recueil botanique. Ah, cette fois, je sais. Ouf, cette fois, j'avais noté. Donc, tricoter en 64 mailles, parce que pareil, c'est des tailles, j'allais dire classiques, enfin, en tout cas, dont j'ai l'habitude. Donc, en 64 mailles, en 2,5 et des orteils jusqu'aux côtes. Sachant que, donc, c'était le premier modèle un peu court que je tricotais, puisque je me suis rendu compte qu'au mois de mai, il m'arrivait de mettre encore des chaussettes tricotées, parce que des fois un peu froid le matin ou quoi, mais dans mes baskets, avec des pantalons un petit peu 7-8e ou quoi, je voulais tester et voir ce que ça donnait des chaussettes un petit peu, avec une tige un petit peu plus courte, car je n'en avais pas du tout. Donc voilà. La laine, c'est de la laine de chez ma copine Hélène, Donc, c'est sa base Tabby. Alors là, c'est pas la base Tabby. Je ne sais pas pourquoi c'est cette étiquette que j'ai mis là. Flûte, je me suis trompée. Ah, la base Tabby, je l'ai là. Mais bon. C'est donc une 75 Merino Superwash 25% nylon. Et le coloris de ces chaussettes, c'est le coloris dans tes bras, que je trouve absolument splendide, mais vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que j'ai débuté par un Turkish Caston, talon renforcé à gousset, voilà. Et puis ensuite, donc avec des petites côtes torses sur le dessus de la chaussette. Et puis ensuite, ici, bah, un petit jeu de augmentation mini dentelle pour faire ces espèces de petites fleurs là sur le dessus, qui sont vraiment très très jolies. J'ai noté dans mes notes, j'ai tout aimé dans ce modèle. Les explications, la laine, voilà. J'ai très peu de reste puisque c'était un écheveau de 50 grammes, donc j'ai quasiment tout utilisé pour tricoter les chaussettes. Le rendu final, bah écoutez, hein, bon, moi je trouve ça magnifique personnellement. Si vous êtes amateur de chaussettes, peut-être qu'à vous aussi ça vous parle, mais voilà, donc je ne saurais que trop vous conseiller et la laine qui est vraiment très chouette et les modèles de Marie-Christine qui sont parfaits. Nous étions donc ensuite rendus, eh bien non, nous étions toujours le même mois, donc toujours au mois de mai. C'est là que j'ai dû commencer à faire deux paires en un mois ou quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, je me suis lancée pour la deuxième fois dans le test knit. J'avais déjà donc fait un test sur l'année 2020 pour Elodie et Émilie pour le livre Tricoter ses chaussettes. Et donc là, c'était mon deuxième test de chaussettes. Et j'ai testé pour Emma The New Yorker ce modèle, les Carta Socks. Alors pareil, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que c'est d'une finesse. Alors, pas moi, hein, pas la façon dont je tricote et tout, mais le modèle tout, quoi. Je trouve que c'est tellement joli. Donc, les Carta Socks pour Emma The New Yorker que j'ai tricoté dans la laine Life in the Long Grass. Le coloris, c'est Fine Sock. Non, pas le coloris. La qualité, c'est Fine Sock. C'est une 435 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'était Autumn. Et je les ai tricotés en 2,25 avec des aiguilles. Oui, bah, donc en 2,25 en taille 64 mailles, pardon. C'est un modèle qui commence par les côtes. Des côtes 1-1 classiques. Ouais. Ensuite, donc, vous avez tout ce jeu de torsade là qui rend vraiment très très beau. Le talon renforcé à gousset, de nouveau les torsades sur le dessus et puis diminution d'orteil tout à fait classique.
Ouais, je trouve vraiment que ça rend hyper bien celles-ci. Elles sont superbes, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, pareil. Du coup, comme j'ai tricoté ce modèle, j'ai fait le test pour Emma. Je lui ai proposé dans la foulée de lui faire la traduction en français. Donc, vous pouvez les trouver en anglais et en français. Chose que je ne vous ai pas précisé hein, pour Marie-Christine Lévesque, mais les modèles sont en français. Ils existent peut-être en anglais aussi d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont disponibles en français. Celle-ci aussi, les cartes à socks, j'ai proposé la traduction à Emma. Et donc, j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle. Pour moi, pas du tout de problème ou quoi. Alors, c'est sûr que il y a des petites manipulations à faire. Hein. C'est des espèces de torsades, des choses comme ça. Donc, voilà, mais pas compliqué, plutôt bien expliqué d'après... Enfin, voilà, pour moi, pas de problème. Et j'avais trouvé que le test était drôlement sympa. Ce qui était chouette, c'est que c'était la première fois que je participais à un test pour une designeuse non francophone, donc il fallait que je fasse l'effort d'écrire en anglais, etc. Les testeuses étaient un petit peu aux quatre coins du monde aussi, donc ça m'a fait découvrir des tricoteuses d'un petit peu tous les horizons, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment hyper sympa avec ce test. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller ce modèle des cartes à socks. C'est vraiment, ouais, pareil, la laine elle est très sympa. Je crois pas que c'était la première fois, je pense, que je tricotais cette qualité là. J'avais tricoté d'autres laines de chez Life in the Long Grass, mais pas pour des chaussettes. Donc voilà, vraiment très très belle. On continue. Alors, je ne sais plus très bien où on en était rendu, hein. Peut-être bien dans l'été, quelque chose comme ça. Donc voilà, on continue avec encore un gros morceau, les Anne's Blues Socks. Alors, comment? Donc celle-ci de chaussettes, je crois bien que c'est ma copine Monica qui avait dû m'en parler, ou qui avait dû les... Peut-être qu'il les tricotait, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Donc c'est un modèle, les Anne's Blues Socks, de la designeuse japonaise Tonsoku. Je ne sais pas si je prononce bien. Une fois de plus, tout sera noté là. Knit Tail, elle doit s'appeler sur Ravelry, et Tonsoku, ça doit être son pseudo Instagram. Hein, n'hésitez pas à aller regarder en bas. Donc oui, je pense que c'est ma copine Monica qui a dû commencer à tricoter ses chaussettes, et sachant que c'est très beau, il y a de la torsade. C'est un modèle inspiré par l'univers de Anne de Green Gables, dont je suis assez fan. J'ai certainement demandé à Monica si je pouvais... Oui, je crois qu'elle avait proposé à Karen, dont je vais vous parler dans un instant, de les tricoter en cale. Et quand j'ai vu qu'elle les faisait toutes les deux, je leur ai demandé si elle voulait bien que je me rajoute à l'histoire, parce que vraiment, ça me plaisait beaucoup. Une fois de plus, j'ai utilisé les laines d'Eline. Hop là, et cette fois j'ai la bonne étiquette, donc toujours la base Tabby, 75-25. Cette fois-ci, c'est le coloris Poussière de Joie. Regardez-moi ce travail de speckle. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc c'est un modèle aussi qui se commence par les côtes et qui va jusqu'aux orteils. Vous avez aussi un talon renforcé. Il a l'air un peu étrange celui-ci, je ne me rappelle plus exactement comment il est fait. Mais en tout cas, talon renforcé. Où est-ce que t'es mon talon? Ah oui, tiens, il est vraiment bizarre. Je ne me souviens plus. J'ai une mémoire de poisson rouge, c'est dramatique. Hein. Heureusement que j'ai des notes, parce que je vous assure, je ne serais pas capable de vous dire la moitié des trucs que je vous présente aujourd'hui. Alors, avec un assez grand travail de torsade. Vraiment dans la tige, qui se continue ici, mais ici, bon, vous avez le jersey simple en bas. Et donc, de souvenir, ça demandait quand même... voilà, c'était demanding. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça en français. Enfin, je me souviens que ça avait été un petit peu...
il fallait y aller, quoi, hein, pour faire tout ce travail de torsade. C'est pas le petit projet que vous prenez pour vous dire « Tiens, je vais me détendre en tricotant 5 minutes. » En tout cas, pour ma part. Une fois arrivée sur le pied, ça allait beaucoup plus vite, mais j'avoue que la tige, les deux tiges m'avaient paru quand même relativement interminables. Donc, d'ailleurs, Karen, hein, si jamais tu vois cet épisode, est-ce que tu as fini les tiennes? Je veux savoir, je veux tout savoir, dis-moi. Mais à part ça, donc je les ai tricotées en 2-5, 60 mailles. Mais à part ça, le fait que ça soit quand même un petit peu intense au niveau de la tige, bon, ça rend quand même super bien. Je pense que je serais ravie de les porter. Je n'avais pas vu de difficultés particulières, donc sauf que voilà, ça demande quand même pas mal de concentration. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. La fille qui en garde un merveilleux souvenir. Mais c'est marrant, hein, comme quoi... alors autant là, oui, hein, je trouve que... Pff, je peux vous dire que ça avait été un peu compliqué. Autant là, alors que hein, ça a l'air un petit peu plus... Ça a l'air aussi un peu complexe et tout. Pas du tout, pas du tout. Pareil pour celle de Marie-Christine Lévesque. Il y a aussi de la torsade, mini-torsade et tout. Je ne saurais pas vous dire pourquoi celle-ci... J'en garde un souvenir un peu. Mais bon, au final, je trouve qu'elles sont du plus bel effet. Mais c'est clairement pas un petit modèle à tricoter comme ça pour se relaxer. Hein. Ça demande quand même un brin de concentration et de travail. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce modèle donc, qui n'est disponible qu'en anglais ou en japonais si par hasard vous étiez bilingue avec le japonais. On ne sait jamais. Du coup... Ah, j'avais marqué que c'était un peu exigeant. C'était ça le mot, à la place de demanding. Voilà, ça, c'est un modèle un peu exigeant. Du coup, nous étions ensuite passés... Où en étions-nous rendus? Probablement aux alentours de l'été. Quelque chose comme ça. Et je suis retournée dans du test knit. Donc pour Karen, dont je parlais à l'instant, test knit deux petites soquettes avec ce modèle, des Nolin soquettes. Donc un modèle de Karen Borel, au minute sur Ravelry sur Instagram. Donc que j'ai testé pour elle en 2,25 et 64 mailles. C'est un petit modèle de soquettes, comme vous pouvez le constater, dont l'originalité réside dans ce très joli talon travaillé donc en torsade et avec des petites côtes situées donc sous la voûte plantaire qui permettent de resserrer à cet endroit-là la chaussette et donc probablement de permettre une meilleure tenue au niveau du pied. Je dis donc probablement car je ne les ai pas encore portées, hein, donc je ne peux pas vraiment vous dire. J'ai tricoté ces chaussettes dans, alors oui, je vais vous montrer comme ça, dans des laines le bruit des aiguilles, enfin dans de la laine le bruit des aiguilles, une marque que j'adore, et c'était un sock blanc, c'est-à-dire, vous recevez une sorte de petite couverture tricotée, sur lequel donc il y a un travail de teinture qui a été fait. Donc c'était le sock blanc, la base c'est une 85 Merino Superwash 15% nylon, 85-15. Le coloris c'est When Life Gives You Strawberries. Et donc votre sock blanc est déjà tricoté. Et vous le défaites au fur et à mesure pour tricoter votre projet. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps. J'avais jamais tricoté avec un sock blanc. Souvent, les sock blancs, en fait, ils sont tricotés en double. Ce qui fait que vous avez deux fils, mais qui sont teints du coup de la même façon. Or là, il y avait un seul fil. Je le savais dès le départ. Mais le fait qu'il n'y ait qu'un seul fil et que donc le travail de teinture soit très différent à certains endroits du sock blanc
plutôt qu'à... Enfin, voilà. Les chaussettes sont quand même très différentes dans leur couleur. Chose qui ne serait pas arrivée s'il y avait eu un double fil. Donc je pense que si je dois reprendre un sock blank, je ferai quand même attention à ce que ça soit quelque chose avec deux fils. Je les porterai, hein, clairement, mais c'est vrai, moi qui suis peut-être un petit peu... comment on va dire, bon, ça ne sonne pas, oui je suis un petit peu des fois nana, j'aime bien quand même que les choses se ressemblent, là je les trouve vraiment très très différentes, j'aurais préféré que les deux soient un petit peu dans ce coloris là, avec ces rappels de, enfin voilà, ces petits coloris un peu jaunes et tout, et des speckles un peu plus foncés, que ici je trouve qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins nuancé, voilà. Bon, je le porterai, il n'y a pas de problème, mais voilà, je vous dis, si jamais vous preniez un sock blank, peut-être faites attention à ce... et que c'est quelque chose qui vous... que vous êtes un petit peu comme ça, comme moi, voilà, faites attention peut-être qu'il y ait, que le sock blank soit tricoté avec deux fils en même temps, comme ça vous pourrez avoir vraiment deux chaussettes identiques, on va dire. Par contre, l'intérêt du sock blank, c'est que le travail de teinture est très différent d'un échevoir, en fait, puisque la laine est d'abord tricotée et ensuite elle est teinte. Donc c'est vrai que ça peut être sympa aussi, ça donne des choses totalement, totalement différentes. J'ai beaucoup aimé tricoter avec ce sock blank, j'ai trouvé ça assez, assez rigolo à faire. Et dans le modèle... donc proposé par Karen, vous avez en plus, hop là, un petit modèle de mini sweater qui est offert, donc, et qui reprend sur le devant du pull le motif que vous retrouvez ici sur le talon de la chaussette. C'est très très rapide à faire, ça demande pas beaucoup de laine, donc ça aussi c'est parfait si vous avez éventuellement des restes. Et qu'est-ce que j'avais noté, vous voyez comme quoi j'oublie. Pareil, j'avais proposé à Karen de lui faire la traduction, ou peut-être qu'elle me l'a demandé, je ne me rappelle plus, la traduction en français de ce modèle, donc elles existent également en français si ça vous intéresse de les tricoter. Tout juste après, donc je pense que en même temps que j'avais commandé mon sock blank, j'avais commandé, alors là, attention les yeux, une petite laine un peu rigolote. Alors, hop là, une petite laine un petit peu rigolote, toujours chez Le Bruit des Aiguilles. Tadam ! Je crois qu'Anna avait reçu des fluos et qu'elle s'amusait avec ses nouvelles teintures fluo, et j'avoue que ça m'avait fait un petit peu... craquer, j'avais eu bien envie de tester ça pour mettre un petit peu de couleur aussi dans mon quotidien. Toujours la base 85-15 de Le Bruit des Aiguilles, et cette fois-ci c'est le coloris Flower Child. J'ai donc fait une petite paire de chaussettes fluo pour ma boîte de bas. Pas de modèle, c'est-à-dire que j'ai fait, alors là pour le coup on va dire que c'est ma recette préférée. Montage 64 mailles. Est-ce que j'ai noté en quoi je les ai tricotées? En 2-5. Donc en plus sur les petites aiguilles. Ah non, pardon, pas 64 mailles. 60 mailles. Sur mes petites aiguilles. Hop, hop, Adi Wundersock là, qui sont vraiment hyper bien pour tricoter en jersey. 60 mailles en 2-5. Des côtes 1-1 torse qui sont mes côtes préférées. Une tige de taille moyenne, ni trop longue ni trop courte. J'ai utilisé un contrastant pour faire ce talon renforcé à gousset. J'ai utilisé de la cascade yarn. La base c'est héritage et le coloris c'est Italian Plum. C'est un petit reste qui me restait d'une autre paire de chaussettes. Puis du jersey en droit sur tout le pied de la chaussette, et de nouveau mon petit contrastant qui apparaît un petit peu trop sombre là, mais c'est un petit peu trop il n'y a pas assez de lumière là aujourd'hui, et puis peut-être qu'avec le fluo l'appareil a un petit peu de mal peut-être à faire le point.
Donc pour les orteils, tout ce qu'il y a de plus classique, ça j'avoue que à tricoter c'est ultra rapide. Et je pense que je vais être bien contente de me mettre un petit peu de couleur au pied. Voilà, j'ai pas noté grand-chose sur ce modèle hyper rapide à faire. Ah, et c'était le moment où j'avais passé commande du coup. Ah bon, on devait être quand même pas loin de septembre ou quelque chose comme ça, hein. J'avais passé commande, enfin mon mari m'avait acheté pour mon anniversaire le calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. Que je ne regrette pas une seule seconde, mais ça, nous en y reviendrons dans l'épisode classique. Ensuite, j'avais ce modèle, enfin j'ai ce modèle dans ma boîte de bas. Qui est de nouveau un modèle de Knit Tail, donc la créatrice japonaise. Et c'est un modèle qui m'avait été offert par ma petite Pauline Maglia Ritorta, à qui je fais de gros bisous. Comme je lui avais fait découvrir via le podcast cette designeuse et qu'elle avait bien flashé sur les modèles, elle m'avait très gentiment offert ce modèle qui est en fait, c'est un set avec une recette de base. Mais trois points différents. Donc en gros, vous pouvez avoir trois paires de chaussettes en partant voilà, du modèle de base et juste en changeant le point donc qu'elle utilise pour la tige et pour le dessus du pied. Donc merci encore Pauline. Et du coup, on les a tricotés en mini-cale un peu informel avec donc bah, Pauline et avec Emma, Emmanuel et Makou. Donc voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est de nouveau une laine Madame Guillotine et c'est le coloris d'émail et des aiguilles. Coucou Maëlys. Donc c'est toujours la BFL Sock 75-25 et c'était un kit où il y avait 100 grammes de ce coloris principal et un petit mini de 20 grammes que j'ai depuis utilisé pour une autre paire de chaussettes. Dans des tons de marron, mais j'avais vraiment envie de faire de nouveau des chaussettes. En fait, j'avoue que peut-être aussi un petit peu par fainéantise de rentrer les fils à la fin de mon projet. Quand vous utilisez qu'un seul fil, bah vous avez un fil à rentrer au début, un fil à rentrer à la fin, et c'est tout. Donc c'est quand même pas trop mal. Donc. Oui, la fille qui réfléchit à bon, bien sûr. Oui, si, je confirme, je persiste et signe. Donc, voilà, j'avais utilisé que le coloris principal. Donc, la BFL Sock de Madame Guillotine, c'est une 75-25, comme je viens de vous le dire. J'ai tricoté la taille 2 en aiguille 2,25. Donc, la taille 2 de ce modèle, je ne sais plus combien il y a de mailles dedans. Je ne sais plus. Et alors là, par contre, oui, on voit. Donc, c'est un modèle pareil, toujours cuff down. Bon, là, on voit vraiment que c'est l'endroit où j'ai rentré mon fil. Hein, avec des côtes torse sur les, enfin, le dessus. Avec un modèle de dentelle. Donc, ça, un modèle de dentelle comme j'aime bien. C'est-à-dire plutôt une petite dentelle assez fine. Il n'y a pas d'énormes trous. Donc, je pense que ça me conviendra. Sur toute la tige et sur tout le pied avec une maille torse centrale. Et j'avais noté exactement la même chose que pour les Hans Blues Socks. La tige m'avait paru, enfin les tiges m'ont paru absolument interminables. Donc pareil, très exigeant. Une fois arrivé sur le dessus du pied, enfin sur le pied plus facile, vous avez des petites respirations. Avec le jersey de dessous de chaussettes. Là, à l'œil nu, ça doit être un motif œil de perdrix pour le talon. Mais voilà, un beau modèle. Pareil, hein, je vais bien frimer avec mes belles chaussettes, mais alors, ça demande un petit peu de travail quand même, un petit peu, ouais, bah, exigeant. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur ce modèle? Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout.
Nous arrivions donc au mois d'octobre à notre petit cal de tricot de chaussettes en anglais. Donc, bon, bah ça, je n'ai pas gardé les chaussettes dans ma boîte de bas. Mais en parallèle, je tricotais un modèle que j'ai absolument adoré réaliser. Ce sont pas du tout les Jasmine Socks, ce sont les Vintage Fairy Lights. Pff, magnifique. De Don Anderson, pas du tout, ça c'est les Lean Socks. Mais qu'est-ce que... Ah, elles sont là, de Helen Stewart. Désolée, hein, les Lean Socks, c'est un autre modèle que j'ai tricoté pour ma copine Helen. Donc, les Fairy Light Socks, Vintage Fairy Light Socks de Helen Stewart, que j'ai tricoté en 64 mailles en aiguille 2,5. De toute façon, il n'y a qu'une taille proposée pour ce modèle et vous devez adapter les aiguilles. C'est un modèle tricoté des côtes jusqu'aux orteils avec un talon agoussé renforcé, donc que demander de plus. Un modèle que j'ai tricoté en edge row yarn. Alors, cette laine, ma laine préférée du monde entier, m'a été offerte par ma copine Julie. Et le modèle, le patron des chaussettes, m'a également été offert par Julie. Je vous dis, hein, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma Julie dans ma vie. Et pas que parce qu'elle me fait des cadeaux. Mais voilà, là j'avoue que je suis quand même très régulièrement extrêmement gâtée. J'ai énormément de chance. Je vous reparle de cette laine. La base, c'est la Luxe Smooth Sock. 85 Superwash Extra Fine Merino 15% Nylon. C'est un coloris one of a kind, hein, celui-ci, donc non reproductible, pareil, avec des petits speckles de fluo, donc juste comme j'aime. Elle est magnifique. J'ai absolument tout adoré dans ce modèle, c'est-à-dire que le modèle à tricoter, il est super. Ça, c'est hyper facile, hyper rapide à faire. Enfin, c'est pas du tout complexe. Après, bah, vous avez les petites côtes là, qui rythment un petit peu le tricot, donc on s'ennuie pas. Ça a été fait en deux temps, trois mouvements. La laine glissait sur mes aiguilles. C'était mes aiguilles préférées, les Adi Wundersock. Là, donc, c'était topissime. Topissime, ça va être... Donc, j'ai hâte de les porter, voir ce que ça donne au pied, mais je ne saurais que trop vous conseiller ce modèle, sachant donc que la seule chose, c'est que le modèle n'existe qu'en une seule taille. Vous devez adapter votre taille d'aiguille pour obtenir l'échantillon recommandé, etc. Normalement, la tige doit être beaucoup plus haute, vous faites encore plus de côtes comme ça, mais voilà, moi je m'étais arrêtée à peu près à ce niveau-là, je trouvais que c'était déjà pas trop mal. Adorer tricoter ces chaussettes. Et donc la dernière paire de la boîte de bas qui a dû être tricotée au mois de novembre, puisqu'en décembre j'ai plutôt tricoté mes cadeaux de Noël, c'est ce modèle, les Grow Socks de Fiber Tails, que j'ai tricoté en Julie Asselin. La qualité, c'est la Nomade, 80 Superwash Merino 20% Nylon. Et le coloris, c'est le coloris Renard. Et c'est une laine qui m'avait été offerte par ma très chère Monica, que j'embrasse bien fort. Décidément, que de cadeaux hein, quand même. C'est quelque chose qui revient. Je suis très régulièrement gâtée. Enfin là, je l'ai encore constaté pour les vœux, les nœuds. J'ai vraiment une chance folle. De vous avoir là toutes autour de moi parce que, on va pas se mentir, ça fait quand même vraiment beaucoup de bien et c'est absolument génial d'être gâtée comme ça régulièrement. Donc voilà, Monica, merci encore pour ce beau cadeau. Une laine, que j'aurais pas pu tester autrement parce que une laine canadienne. Je suis pas sûre que la Julie Asselin on la trouve chez nous. Peut-être, il me semble qu'il l'avait peut-être chez Lil Weasel à un moment, mais je suis plus tout à fait sûre. Donc voilà, que j'ai tricoté en 2,25, modèle en anglais exclusif. Il doit être aussi puisqu'elle est danoise, hein, Fiber Tails, donc il doit aussi exister en danois, mais
donc pas en français, qui existe, qui est dispo en 4 tailles, et j'ai fait la taille 64 mailles. Je pense que je vous l'avais dit, j'aime énormément le rendu, je les trouve vraiment très très belles. J'avais juste peut-être un peu regretté peut-être le prix, parce que techniquement, bon bah vous avez ce tout petit travail de torsade ici, et c'est tout. Le reste, c'est vraiment des chaussettes en jersey tout simple, avec un talon renforcé. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas de technique particulière, pas de... Voilà, et de tête, il me semble quand même qu'elles étaient aux alentours de 9 euros pour le patron, donc je trouvais que c'était peut-être un peu cher par rapport à d'autres modèles que j'ai pu tricoter, ou pour lesquels il y avait peut-être un petit peu plus de... Alors je sais pas si c'est de travail le mot qui convient, mais enfin voilà, j'avais trouvé que peut-être c'était un peu cher. C'était la chose que je regrettais. La laine, c'était aussi un petit peu étrange, parce que je sortais, alors écoutez, de cette laine-là, hein, qui était d'une douce, enfin qui est d'une douceur absolument confondante. Et là, la Julie Asselin, elle est vraiment, on est sur des bases assez similaires pourtant, mais elle est quand même plus, elle fait plus rustique, hein, un petit peu plus rêche et tout ça. Au lavage, ça s'est bien adouci, je sais que ça ne posera pas de problème aux portées. D'autant plus que je ne suis pas du tout sensible à la laine, etc. Même les laines rustiques me conviennent. Mais bon, voilà, c'est vrai que je sortais de quelque chose d'extrêmement doux qui glissait sur les aiguilles. Et là, on était sur quelque chose d'un petit peu plus... rugueux, un petit peu plus... voilà, même si elle s'est vraiment rustique, elle s'est quand même vraiment bien assouplie au lavage et au blocage. Pas de difficulté particulière sur le modèle, si ce n'est que, et j'ai depuis relu le patron, hein, c'est bien précisé, il y a un endroit du patron, je ne sais plus, il y a un point à faire, et c'est vraiment bien noté qu'il faut être assez souple dans sa façon de tricoter. Je vous le confirme, sur la première, et donc ce fameux premier rang là, avec le point en particulier, bon, j'avais tricoté de façon assez classique. J'ai compris mon erreur dès le rang suivant, où j'arrivais absolument pas à faire ce qui était demandé puisque c'était beaucoup trop serré. Et bon bah voilà, c'est la seule chose. Après donc j'ai été beaucoup plus relaxe sur mes aiguilles et bah, tout le reste s'est très bien passé. Donc c'était la dernière boîte de bas tricotée, la dernière paire tricotée donc en novembre, et ensuite bah, je suis passée au cadeau de Noël. J'ai tricoté deux paires de chaussettes là aussi pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, ça clôture cet épisode boîte de bas 2021. Maintenant que je vous les ai présentés, je vais pouvoir les porter. Certaines avec pas mal d'impatience quand même. Hein. Et ouais, je trouve ça absolument formidable, ce petit cadeau pour débuter l'année. Mais il faut dire que j'ai un problème, je suis donc totalement accro aux chaussettes. Si vous l'êtes aussi, vous pouvez me comprendre. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes en train de vous dire « Elle a pété un câble, la bibiche !» Mais ouais, je suis accro au tricot de chaussettes. J'avoue que je trouve que c'est un projet absolument génial, qui est facilement transportable. Vous pouvez essayer plein de techniques. Personnellement, dans 50 grammes, si j'utilise un contrastant ou si je fais un modèle avec une tige un peu courte, je peux totalement me faire une paire pour moi. Donc 50 grammes de laine, c'est sympa parce que c'est pas forcément, même chez les teinturières, c'est pas forcément trop onéreux. Voilà, je suis devenue totalement folle de chaussettes. C'est comme ça. Acceptez-moi comme je suis. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Dans ce cas, on est plusieurs. Et j'avoue qu'à porter... Mais à porter, c'est génial, c'est formidable. Je reviendrai pas en arrière, en fait. Je persiste et signe, mais il fait froid chez nous. En automne, il fait froid. En hiver, il fait froid. Et au printemps, des fois, il fait encore bien froid. Donc, voilà. J'ai besoin de chaussettes tricotées main. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. On est bientôt à 3000 abonnés sur cette chaîne, truc de fou.
Donc, si par hasard vous n'étiez pas encore abonné et mais que vous aviez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous aurez des notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Puis je vais peut-être faire quand même quelque chose là pour les 3000 abonnés, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un nouveau petit concours, ça fait longtemps. On verra ça, j'en parlerai dans le prochain podcast. En attendant, je vous embrasse très très fort. Si vous avez des questions chaussettes, des recommandations de patrons de chaussettes, de laine à chaussettes, etc. La section commentaires vous est ouverte. N'hésitez pas. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode classique de podcast, avec un peu de chaussettes, mais pas que de la chaussette. Voilà. Je vous embrasse très très fort. See you later.